Bonsoir à tous les socios, ravis de vous retrouver. On est dans le club des 5. On va revenir ce soir sur les demi-finales de la CAN qui viennent de s'achever dans cette 539e émission et dans la 540e parce qu'on va vous allez avoir deux émissions ce soir, deux débriefs pour le président. On va commencer par le match du Sénégal dans cette émission et dans une heure on se donne rendez-vous pour débriefer la qualification des Fenecs 29 ans après en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On va d'abord donc parler, je vous disais, de la qualification des Lions de la Teranga face à la Tunisie cet après-midi. Il y a un très 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 beau plateau pour m'accompagner ce soir avec nous et c'est un plaisir comme à chaque fois, surtout que là il y a une victoire donc c'est, ouais, c'est un plaisir un peu plus partagé du coup. Oumar Samaké avec nous, bonsoir Oumar. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Supporter soulagé. Ouais, aujourd'hui on est content. C'était l'objectif, la finale, donc on y est. Donc voilà, on est content. De toute façon, on le verra. On a enregistré un petit inside avec Walid Acharchour et Babacar Sall. On va voir que durant le match, c'était tendu quand même. La confiance ne régnait pas forcément. Non. Ça règne jamais dans ce genre de match de toute manière. Mais bon, l'objectif est atteint. La qualification est là, exactement. Omar, on rappelle, hein, bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas, hein, tu étais manager de plusieurs artistes comme Dossé, comme Lacrim, comme Dinos, notamment avec le label Spectacular. Exactement. Spectaculaire, pardon. J'ai mis un petit côté anglais. C'est bien, c'est bien. Avec toi ce soir sur ce plateau, un autre supporter. Il n'y a que des supporters heureux, remarquez. Mais un supporter heureux depuis plusieurs heures. Babacar Sall. Comment ça va? Ça va et toi? Moi je suis bien. Les valises sont prêtes? Les valises ne sont pas prêtes, mais en tout cas on part bientôt. Exactement. Tu rejoindras l'Egypte. On t'aura pas pour la finale du coup, mais tu rejoindras l'Egypte. On aura, on espère, d'aussi belles images qu'à Madrid cet été. J'espère. On rappelle, voilà, belle année pour Babacar Sall. Supporter Liverpool, finaliste, heureux, la Ligue des Champions, supporter du Sénégal, finaliste de la CAN. Et on si verra. J'étais ballon d'or Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais il y en a qui voient d'autres ballons d'or sur ce plateau. Je ne dirais pas plus. Il y en a qui voient des candidats qui ont marqué plus récemment dans la soirée. Ah oui. Najim Medini qui est avec nous. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous. Alors qui doit être le ballon d'or 2019? Peut-être Najim, quelqu'un qui a marqué un coup franc là à la 90e minute de jeu d'un match très tendu. Non, j'exagère évidemment, mais je suis un nouveau supporter heureux. Eux, ça fait quelques heures qu'ils sont heureux. Moi, je viens tout juste de vivre le match. Il y a 10 minutes, c'était tendu. On s'attendait à vivre 45 minutes. Ah ouais, exactement. Je me suis dit qu'on va revivre à peu près la même chose contre la Côte d'Ivoire. C'était tendu jusqu'à la fin. Et là, pour tout vous dire, j'en ai même oublié mes lunettes. Je les ai jetées par terre et Bon, tu seras pour la deuxième émission, on aura vos lunettes. Voilà, ce sera le petit bonus, le supplément lunettes pour le débrief de l'Algérie. Merci Najim de faire des exceptions. Le débrief du club des 5 ce soir, le sommaire, les amis. Donc, on va commencer, je vous le disais, par le match du Sénégal. On débriefera le match de l'Algérie dans une deuxième émission dans 45 minutes, une heure à peu près. Le programme donc de cette première émission, la qualification du Sénégal en finale. On va revenir sur la victoire 1-0 des Lions de la Teranga, une victoire un petit peu tirée par les cheveux ou on va dire bien aidée par notamment la bourde, une nouvelle bourde de Moïse Assène. Néanmoins, pour les Sénégalais, c'est une finale 17 ans après. Les Lions de la Teranga vont pouvoir essayer enfin de conquérir un titre en Afrique. On va ensuite parler de cette CAN, hein, côté sénégalais qui est déjà réussi. On peut se poser la question. On rappelle qu'ils étaient annoncés parmi les trois favoris avec le Maroc et l'Égypte. Ce sont les seuls qui sont donc arrivés en finale parmi les trois. Est-ce qu'on doit attendre plus? Est-ce qu'on peut déjà s'en satisfaire dans le cycle 6C? On va se poser la question. Et puis on terminera bien sûr avec les Aigles de Carthage, la Tunisie éliminée. On peut se poser la question, est-ce que c'est mal payé aujourd'hui pour les hommes d'Alain Giresse qui ont eu de grosses occasions, notamment deuxième mi-temps, qui ont eu un pénalty qui a été loupé par Ferjani Sassi, également un autre pénalty qui a été annulé ensuite par la VAR. En tout cas, il y a de la déception ce soir côté tunisien. Mais que faut-il retenir de cette CAN? On va se poser la question. La question du soir, justement. Les amis, on va revenir sur le Sénégal. Et oui, alors, cette question, je vais être honnête avec tous nos socios, elle était prévue depuis 20h. On attendait de savoir qui serait le gagnant entre le Nigeria et l'Algérie, mais on s'était déjà posé la question, est-ce que le Sénégal n'est-il pas le grand favori dans tous les cas de cette finale qui aura lieu vendredi, je vous rappelle, à 21h, hein, ce sera au Caire. Est-ce que le Sénégal, c'est le grand favori? Je vous le disais, il y avait trois favoris au début de la compétition, Maroc, Égypte, Sénégal. Eux sont allés
au bout, entre guillemets, des matchs à élimination directe. Est-ce que, pour vous, ils vont remporter cette finale? Donnez-nous, putain, je vais y arriver. J'ai vraiment du mal, là, dans le début d'émission. Donnez-nous donc votre avis, bien sûr, dans les commentaires, hein, ceux qui nous regardent en replay, et également sur le chat que j'ai juste à côté de moi, que j'active, hein, pour avoir toutes vos réactions tout au long de l'émission. Justement, ceux qui sont sur le chat, j'en profite, les amis, pour vous rappeler, bien sûr, le petit pouce bleu. Vous savez l'importance qu'il a, il est énorme, ce petit pouce bleu qui aide, tout simplement, déjà, ça nous fait monter un peu le nombre de likes, et puis ça aide surtout le Club des 5 à développer son projet, sa communauté, à se faire connaître. Donc n'hésitez pas, soyez généreux, des petits pouces bleus, des abonnez-vous, hein, également, ceux qui nous découvrent ce soir, abonnez-vous à la chaîne Le Club des 5, on est 41 735 à l'heure où je vous parle. L'objectif, moi je vous le dis, c'est un petit rêve perso, 50 000 avant vendredi, pensez que c'est possible. C'est magnifique. Allez, 50 000 avant vendredi, les socios, allez-y, ramenez tout le monde, abonnez-vous, n'hésitez pas. Et puis également, vous abonnez aux autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, pour pouvoir continuer le débat avec nous toute la semaine, toute la soirée, toute la journée, à toutes les heures. De toute façon, il y a toujours des chroniqueurs réveillés du Club des 5, avec des horaires décalés en plus, selon certains. On va pouvoir démarrer tout de suite notre débrief. Nos amis sénégalais et tunisiens qui nous suivent, on va donc revenir sur la qualification ce soir, cet après-midi même, du Sénégal en finale de la CAN. Victoire 1-0 ce soir sur un but de Brown contre son camp en pénalty sur un coup franc mal... j'ai dit en pénalty d'ailleurs. T'inquiète, prends ton temps, ça va bien se passer. Reprends. Un but contre son camp, voilà. De Brown, sur un coup franc mal dégagé par Moïse Assène. Oh, c'est un peu compliqué, je sais pas, je suis ému par la qualification des Sénégalais. C'est vrai que c'est un coup du sort ce soir, Oumar, qui envoie les Lions en finale, mais on a senti quand même que sur le match c'était assez tendu, que les deux équipes auraient pu l'emporter ce soir. Ouais, franchement, c'était un match assez difficile. Après, moi perso, je m'y attendais, pour être honnête. Je savais que la Tunisie, j'ai vu leur match un peu juste avant. Bon, après, c'est vrai que si on regarde leur parcours en poule, je crois qu'ils n'ont pas gagné un match, non? C'est ça. Voilà, ils ont gagné leur premier match. Contre Madagascar, parce que contre Ghana, qui est déjà à la base de petits poussés de la compétition. Donc forcément, moi j'étais assez confiant en temps normal, parce que je me suis dit, bon, à part Madagascar et des poules un peu compliquées, ils n'ont pas montré grand-chose pendant cette compétition. Mais après, voilà, ils ont quand même 2-3 individualités quand même qui faisaient toujours un peu peur. J'ai vu qu'après, quand j'ai vu que Mskaini, c'est comme ça qu'on dit. Mskaini ? Ouais, Mskaini, ouais, qui est sorti à la mi-temps, je me suis dit, bon, déjà c'est pas mal, parce que lui, c'est vraiment un gros danger. Mais après, globalement, c'est vrai qu'ils ont eu des occasions, faut pas se mentir, mais j'ai trouvé quand même le Sénégal un peu meilleur quand même sur le match globalement. Ça a été les premiers à mettre le pied sur le ballon, la frappe sur le poteau, dès le début. La frappe de notre ami dangereux Sabali, hein, qui a failli marquer le but de l'année. Mais c'est vrai que voilà, en première mi-temps, on a vu un Sénégal assez offensif, assez intéressant. Ouais. Le problème à Bakar, encore une fois, et là encore une fois, je sais que les socios nous en veulent un peu pour ça, mais c'est le souci depuis le début de la compétition, c'est l'efficacité. Le Sénégal a tardé, et pour la première fois d'ailleurs depuis le match contre l'Algérie, ils n'ont pas réussi à marquer dans les 90 minutes, c'est ce qui les a envoyés en prolongation finalement. Exactement, c'est un peu le problème du Sénégal depuis le début de cette compétition, c'est pas mal d'occasions, et encore aujourd'hui ils n'ont pas eu énormément d'occasions, mais c'était souvent ça le problème, beaucoup d'occasions et pas beaucoup de réussites. Mmh. Notamment Mbaye Niang qui était encore une fois titulaire sur le front de l'attaque, et malheureusement il n'a pas réussi à convertir ses occasions. On a l'affiche de son match, on va en parler de Mbaye Niang. Voilà, ouais, un peu comme d'habitude j'ai envie de dire, mais pourtant Cissé persiste et signe à le laisser en pointe. Après, au niveau du jeu, et les socios nous le disent souvent, vous êtes durs avec le Sénégal, le Sénégal parvient à faire des résultats, etc. Sauf que le Sénégal n'a pas été bon depuis le début de cette compétition. Et je sais, je suis dur aussi. Mais sur ce match contre la Tunisie, je les ai trouvés meilleurs. Moi notamment aussi. En première mi-temps, où il y avait pas mal de mouvements, il y a eu une bonne cohésion de groupe, c'est-à-dire qu'ils jouaient vraiment tous ensemble. Le pressing était vraiment en équipe, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la ligne de 3 devant et le milieu coupé. Badoundia a fait un très très gros match à la récupération. Ganagay a été très intéressant aussi. Et puis devant, voilà, on a vu des combinaisons, etc. Et au final, ça allait en prolongation par chance. Oui, on sentait quand même les tirs au but arriver à un moment. C'est aussi pour ça, Najim, qu'on se dit que cette victoire, elle est encore à l'arracher un petit peu pour les hommes d'Aliou Cissé, parce que on le répète, hein, c'est un coup du sort, vraiment le but encaissé par la Tunisie. Et on rappelle que dans ce match, fait assez incroyable, dans les 90 minutes, il y a eu deux pénaltys manqués en l'espace de 10 minutes pour la Tunisie, pour le Sénégal. C'est pour ça qu'on se dit que voilà, le Sénégal sur l'ensemble de la rencontre méritait peut-être plus que les Tunisiens.
néanmoins, ça a été encore une fois compliqué d'aller chercher ce penalty. Bien sûr, ça aurait pu basculer de l'autre côté, parce que finalement, la Tunisie a ce penalty qu'aurait pu faire basculer le match. Ils ont eu quelques occasions intéressantes, notamment sur des phases de transition assez rapides vers l'avant, notamment en début de seconde période. Ils ont deux ou trois grosses occasions qu'aurait pu finir au fond. Moi, le mot qui me vient à l'esprit quand je pense au Sénégal, c'est le mot entreprenante. C'est-à-dire que c'est vraiment une équipe qui arrive à s'installer dans le camp adverse. On sent vraiment que c'est l'équipe qui tient le match. Après, effectivement, on l'a vu notamment avec l'affiche match, 12 frappes, une seule cadrée. Ça montre aussi le manque d'efficacité qu'a cette équipe du Sénégal. Il en a parlé notamment avec Mbaye Niang qui est pas mal critiqué depuis le début de la saison, qui a encore eu beaucoup de mal aujourd'hui. Et voilà. Et puis on a vu une équipe du Sénégal qui a Il y a eu du mieux, notamment sur attaque placée. Il y a eu quelques occasions. J'ai le souvenir notamment d'une combinaison avec Mané Sabali en première mi-temps. Mbaye Niang qui ensuite frappe, ça passe au-dessus. Il y a aussi une talonnade d'Mbaye Niang pour Mané. Qui est en jeu. Mais c'est voilà, on a vu que du mieux un peu sur attaque placée, mais toujours un petit peu ce manque d'efficacité et quelques problèmes qui persistent. On a sa fiche match à Mbaye Niang justement, Oumar. C'est vrai que on en parlait nous devant le match. Encore une fois, vous le découvrirez. Il y a un insight qui sortira demain sur les réactions pendant le match des chroniqueurs du Club des 5. C'est vrai qu'on en parlait. On disait il y a une CAN vraiment compliquée pour lui. Il a ce côté point de fixation. On a Najim parlé de cette action avec Mané où effectivement il est intéressant, mais pour le reste, notamment dans la finition, il déçoit. Et rappelons-nous, la dernière émission du Club des 5, la question du soir, c'était est-ce que Mbaye Niang doit être remplacé dans le 11. Ce soir, on a vu que le choix de Aliou Cissé, c'était plutôt de rentrer Crépin Diatta et de laisser Mbaye Niang sur le terrain. Finalement, on se rend compte que quand il sort Mbaye Niang, son match est encore une fois mitigé. Ça se voit en stade, d'ailleurs. Le truc, c'est que pour moi, les deux meilleures armes offensives qu'on a, pour moi, c'est Ismaïla Sarr et Sadio Mané. Et quand Ismaïla Sarr joue pas, forcément Crépin Diatta, pour moi, il a un profil un peu plus défensif qu'offensif pour moi. Et c'est vrai que vu le manque d'efficacité qu'on peut voir avec Mbaye Niang, forcément aujourd'hui, on n'avait pas beaucoup de possibilités pour marquer un but. Moi, je le savais. Et j'ai trouvé en plus Idrissa Gueye un peu en deçà que dans son match d'avant. Je l'ai trouvé un peu meilleur contre la Guinée. Moins entreprenant. Il se projetait moins. C'est parce que bien évidemment, il y avait plus de zones à couvrir. Parce que voilà, quand tu joues contre la Tunisie, tu sais que tu t'exposes à quelque chose d'assez dangereux, notamment sur leur transition rapide. C'est ça. Et c'était très compliqué pour lui de se situer. C'est-à-dire que. Mais même soit offensivement, il n'a pas pu apporter le surnombre comme il a pu le faire contre la Guinée, où on l'a senti un peu plus entreprenant. Bon, il combinait beaucoup avec Mané, tout ça. Là, je l'ai trouvé bien plus bas sur le terrain. Et je ne l'ai pas senti aussi bon que contre la Guinée, on l'a ressenti. C'est vrai, contre le Bénin, il aimait bien parfois arriver en second rideau, se projeter dans la surface. Il apportait une arme supplémentaire dans la surface adverse. Là, pour le coup, c'est vrai qu'il a un peu moins monté. J'ai trouvé aussi qu'il avait un peu de déchets techniques. Il n'a pas non plus fait un mauvais match, mais c'est vrai qu'il était un petit peu en dessous par rapport au match précédent. On l'a vu, comme certains en difficulté sur cette rencontre. C'est vrai que quand on regarde un petit peu les prestations individuelles, il faut souligner, alors il y a eu des bonnes prestations ce soir, on a parlé notamment de Sabali effectivement qui a été dangereux, qui confirme sa bonne CAN, mais ce qui est aussi rassurant, c'est que Babacar, même si il a un match un peu compliqué parce que notamment certains s'imaginaient qu'il irait tirer ce penalty, certains pensaient qu'il mettrait le but quand il dribble Moïse Hassen, mais Sadio Mané encore une fois ce soir il se comporte en patron côté sénégalais. Bien sûr, et ça c'est rassurant à 5 jours d'une finale et au fur et à mesure de la compétition. On rappelle qu'il n'était pas là au premier match. Exactement. Que la rentrée contre l'Algérie avait été compliquée et que depuis il est vraiment en puissance. Si on pouvait considérer que le premier match du Sénégal était le meilleur match du Sénégal, Sadio Mané n'était pas dedans. Ouais. Ensuite, on a joué contre. C'est le paradoxe. Voilà, exactement. L'Algérie a joué contre le Sénégal. Sadio Mané a fait une rentrée, mais vu la situation du match contre l'Algérie, on peut pas prendre ce match-là en tant que référence pour Sadio Mané, parce que déjà c'est un premier match et l'Algérie est une équipe solide. Bien évidemment, on va la retrouver en finale de cette Coupe d'Afrique. Ensuite, il est monté en puissance petit à petit. Voilà, il a réussi à marquer son but. Il a raté deux pénaltys. On va le rappeler aussi parce que c'est important, mais dans le jeu il est hyper important. On en a parlé lors de la dernière émission, notamment avec Walid, la colonne vertébrale du Sénégal, Koulibaly, Gana Gueye et Sadio Mané. Koulibaly malheureusement ça a suspendu. On va en parler après effectivement. Lors de cette finale, Sadio Mané prend ses responsabilités. On l'attendait à ce moment-là en fait. Depuis la finale avec des champions où il a gagné avec Liverpool, on s'est dit que Sadio Mané allait arriver au Sénégal et devait prendre plus de responsabilités. C'est ce qu'on attend depuis vraiment un moment. Lors de la Coupe du Monde, il n'a malheureusement pas eu la possibilité de le faire
enfin, je sais pas s'il a pas eu la possibilité, en tout cas, il a pas réussi à le faire. Et sur cette Coupe d'Afrique, il a pris le leadership. Et ça fait vraiment plaisir à voir. On sent quand même que c'est lui le patron. Clairement. Moi, je le ressens, que ce soit le leader technique, offensif même. On sent par ses prises de balles, par sa façon de mener le jeu. On sent qu'il est quand même vraiment un cran dessus par rapport aux autres. Et motiver les autres aussi. Hein. Ouais, il est là, il parle. On sent qu'il a vraiment un vrai rôle de patron, je trouve, avec cette équipe. Oui, parce qu'on rappelle qu'il est pas capitaine, entre guillemets, dans les faits. Hein. C'est ça. Couillaté, mais il a tout d'un capitaine. Mais voilà, mais c'est. Après, il porte quand même bien ce rôle d'homme providentiel, parce que oui. C'est vrai qu'on parle beaucoup depuis le début de la compétition et même avant, Najim, de gros collectifs côté sénégalais. C'est vrai, il y a un effectif assez fourni quand même, du moins à 11, assez alléchant sur le papier. Mais c'est vrai que lui, il semble quand même avoir ce rôle d'homme providentiel dans lequel il se sent plutôt bien. C'est pas clair, un fardeau pour lui comme ça peut l'être pour certains. C'est clair qu'aujourd'hui, j'ai trouvé un peu plus intéressant parce qu'il arrivait en tout cas à avoir le jeu un peu. Lorsqu'il avait le ballon, il avait plutôt le jeu face à lui. Que dos à lui. Moi, j'ai du mal quand Mané reçoit le ballon dos au but. Ouais. Je le trouve beaucoup moins efficace. Là, il avait parfois des ballons où il était directement face au jeu, ce qui fait que ça permettait d'un petit peu d'accélérer le rythme. Après, là où faudra faire attention, on en a parlé lors de la dernière émission, c'est qu'il ne faut pas non plus tout miser sur Sadio Mané. Il faut aussi que les autres éléments arrivent à se mettre au diapason, à proposer des solutions, à créer des espaces. Et aujourd'hui, c'est peut-être aussi ce qui a manqué, c'est que Sadio Mané est plutôt intéressant, mais autour de lui, ça manquait de quelque chose. Quoi. Justement, c'est bien d'en parler parce qu'il y a eu des choix tissés aujourd'hui. On va reparler de Diatta, qui était vraiment le choix assez fort, parce que Ismaïl Assar était un peu léger pour débuter le match, mais il aurait pu quand même tenter le pari. Balde Keïta avait pris la relève quand Ismaïl Assar ou Mané étaient blessés. Là, il décide de mettre Diatta à un poste sur lequel il avait joué 30 minutes contre le Bénin, hein, dans ce poste d'ailier droit. Mais on rappelle qu'au premier match, il jouait à la place d'Henri Cévé, c'était l'organisateur du jeu. Là, on lui a demandé un nouveau poste et voilà, on voit d'ailleurs en stats, et c'est encore plus frappant que devant le match. C'est une partition très très limitée de la part de Diatta. Malgré son mauvais match, entre guillemets, concrètement, on va pas se mentir, je trouve que ça a été un bon pari. Parce que on sait que Keïta Baldé a été mauvais sur le match précédent. On sait qu'Isossar ne pouvait pas commencer le match. Tu veux mettre qui? Si tu mets CV sur le côté droit et que tu remets Crépin Diatta dans l'axe, CV va devoir faire. CV, je crois que ça fait 10 ans qu'il n'a pas joué. Exactement, ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué. Je ne suis pas en Turquie, malheureusement. En club, c'est même plus son poste du tout. C'est pas son poste. Autant le laisser en meneur de jeu et profiter de sa qualité de passe, etc. Quand tu mets Crépin Diatta, tu te dis qu'il a fait une bonne entrée contre le Bénin. C'est notamment grâce à lui que le Sénégal a ouvert le score parce qu'il a fait une bonne entrée, etc. Tu te dis pourquoi pas réessayer, voir ce que ça peut donner. Après, malheureusement, il a pas fait un bon match, mais dans les intentions, c'est-à-dire offensives comme défensives, surtout défensives, ben au moins il était présent. Et ça, c'est important, notamment dans l'esprit de Aliou Cissé. Après, offensivement, malheureusement, il n'a pas aidé. Et on a vu que quand Isossar est rentré, ben ça a fait une grosse différence pour le Sénégal. T'étais soulagé, toi, quand Sarr est rentré, parce que Diatta, sur le côté, t'as vraiment pas été convaincu. Ouais, parce que moi, c'est pas un poste pour moi qui lui correspond. Je le trouve beaucoup plus efficace dans le cœur du jeu. Ouais. Et c'est vrai que sur le côté, il faut avoir une qualité quand même de vitesse et de débordement qu'il n'a pas forcément. C'est pas une de ses grosses qualités. C'est pas un centreur incroyable. Pour moi, c'est un mec qui doit évoluer dans le cœur du jeu, à côté de Ghana, de ces mecs-là. Et c'est vrai que le voir sur le côté, je me suis dit que je pensais que je sentais que c'était pas vraiment, une vraie, comment t'expliquer? Une vraie qualité pour le Sénégal, sachant que Gassama en plus, sur le côté, c'est pas terrible. Donc je me suis dit, il a eu beaucoup de mal. Donc pour moi, Gassama avec Crépin, je me suis dit, ça va être difficile. Et ça l'a été. Et d'ailleurs, les deux sont sortis. Regardez les changements de Cissé pendant ce match, parce qu'on peut revenir aussi sur les choix du sélectionneur dont on va parler dans quelques instants, puisque c'est un beau coup de nom pour lui, cette finale de Cannes. Regardez, donc Niang, on en a déjà parlé, il l'a remplacé effectivement assez rapidement par Badiane, qui a eu un match tout aussi compliqué que son compère. Diatta a été remplacé par Sarr, qui a effectivement amené un peu plus de vitesse, mais ça n'a pas forcément permis au Sénégal d'être un peu plus dangereux. Au contraire, c'est peut-être leur moins bonne période à ce moment-là. Et puis il y a le changement de Wagué, on va pas trop en parler parce que Wagué a joué 10 minutes et que c'était surtout, tu disais Omar, pour Gassama qui semblait un peu sur la corde. En revanche, il y a un changement qu'on n'a pas forcément compris, c'est ce remplacement de Salif Sané qui Najim qui revient
qui revient de blessure, il avait déjà joué contre le Bénin, mais qui re-rentre dans l'équipe, donc pour notamment pour la prolongation, et qui rentre 6, alors qu'il y a Kouyaté qui joue défenseur central. Enfin, on a l'impression qu'il a voulu tenter un coup. Alors, on rappelle que c'est pas totalement incohérent, parce que Salif Sané, quand il a été formé au Girondins, il a été, enfin, il a joué latéral gauche, il a joué latéral droit, il a joué défenseur, il a joué, joué 6. Donc, c'est un joueur assez polyvalent. Donc, il connaît ce poste-là. Mais c'est vrai qu'on voilà, ne s'attendait pas forcément à ce qu'il songe à ça. Surtout qu'en plus, Kouyaté a lui aussi l'habitude de jouer numéro 6. Donc c'est vrai que c'est son poste en club. Donc ça aurait été peut-être plus judicieux de mettre Kouyaté en numéro 6 et Salif Sané en défenseur central, qui lui, voilà, on connaît les qualités de Salif Sané à ce poste-là. Mais ouais, c'est vrai que moi aussi, c'est un changement qui m'a surpris. Surtout qu'on ne s'attendait pas forcément à son retour de blessure. Moi, en tout cas, je m'y attendais pas forcément. Je me suis dit que s'il était vraiment apte à jouer, il l'aurait mis des coups d'envoi. Il était rentré un quart d'heure avant. Mmh. Et donc bon, c'est pour ça que j'ai pas forcément compris le changement. Après, finalement, je trouve qu'il a quand même apporté. Alors, il a quand même failli causer le vrai faux penalty annulé par la VAR. Après, ce que je me suis dit, c'est est-ce qu'il le fait pas rentrer pour le mettre dans le rythme, sachant que Koulibaly est suspendu au prochain match. Donc, je me suis dit peut-être qu'il le fait rentrer pour le mettre un peu dans le truc. C'est pas dangereux de le faire rentrer à 0-0 pour le mettre dans le rythme, parce que tu peux le mettre dans le rythme, mais pour la troisième place, quoi. Ouais. Après, au final, mais je me suis dit peut-être c'était un moyen de le concerner aussi. Je sais pas, hein, je dis ça comme ça parce que c'est vrai que le changement il est tellement bizarre. Je me suis dit, bon, il n'y a pas d'intérêt. Surtout que Ndiaye faisait pas du tout un mauvais match. Il avait des cartouches au milieu. Là, voilà, c'est ça, il avait de quoi faire. Donc, à mon avis, je me suis dit peut-être qu'il le met parce qu'il sait que Koulibaly sera pas là au prochain match et c'est un moyen peut-être de le. Je sais pas, de l'intégrer un peu dans ce. Parce qu'il va jouer le prochain match. Hein. Ah oui, c'est sûr. Voilà, je pense qu'il va être titulaire. Et on attend même de Salif qu'il soit le patron de la défense au final. Parce que c'est un défenseur quand même qui commence à avoir une certaine expérience. Bah après, c'est un défenseur droit, non? Comme je dis, à Bordeaux notamment, il avait joué latéral gauche et latéral droit. Donc il peut jouer aussi côté gauche. Il a une polyvalence et même dans l'axe, je pense qu'il peut faire axe droit, axe gauche sans souci. Plus que le concerné, je pense que le fait de l'avoir mis en tant que 6, c'est donner un peu une légitimité à Kouyaté. Dans le sens où, c'est vrai qu'à la base, il ne devait pas jouer du tout en tant que défenseur central. Il rentre au premier match. Il est là jusqu'à la demi-finale. Ses performances sont, en deçà de ce qu'il peut montrer. Bien sûr. Mais, voilà, il a été concerné. Même si là, il a été un peu fébrile, il a été solide tout de même. Finalement, ouais. Comment ? Finalement, ouais. Ouais, finalement, ouais. Il a été solide. Donc là, tu te dis, tu fais rentrer Salif Sané en tant que 6, il a déjà joué à ce poste des 6. Tu conserves Kouyaté dans l'axe de la défense en sachant que le prochain match, il va encore jouer dans cet axe de la défense-là. Tu ne touches pas à ta charnière que tu as eu depuis le début de la compétition et Salif Sané reviendra au prochain match. Mais en vrai, si Salif Sané se blesse pas au premier match, Kouyaté, il joue pas de la compétition. Exactement. Pas jouer, hein. Exactement. Donc au final, une défense Koulibaly Sané sur le continent africain, c'est très solide. On l'a au premier match. Même en coup du monde, tu commences la compétition serein. Quoi. Ah bah oui. C'est un luxe que pas beaucoup ont. Les réactions sur le chat, il y a Tiatou qui nous dit qu'il est d'accord avec toi Omar justement, qui nous dit que pour lui, Aliou Cissé voulait donner du rythme à Sané avec ce changement, surtout que voilà, Koulibaly ne sera pas là en finale. Il fallait gagner aussi la bataille du milieu de terrain. Il explique comme ça donc la rentrée de Sané. Il y a Zalé également qui nous dit, vous parlez d'inefficacité de l'équipe du Sénégal, mais on va comparer avec le nombre d'occasions ratées par l'équipe algérienne. Doucement, les amis, l'Algérie, on en parle dans 25 minutes. On va faire un débrief. Et oui, là, on est sur le Sénégal, Zalé. L'Algérie, on y vient. T'inquiète pas, justement. Ça arrive. Je vous rappelle, donc, dans 25 minutes, on revient sur la victoire de l'Algérie 2-1 contre le Nigeria ce soir, juste après le débrief du Sénégal. Et d'ailleurs, j'en profite également pour vous poser la question du soir, vu que Zalé a envie de parler d'Algérie. Justement, la question du soir, elle concerne les Sénégalais et les Algériens. Est-ce que pour vous, les Lions de la Teranga sont favoris de cette finale de la CAN 2019 en Égypte? À vous, de nous donner vos avis. Décidément, j'ai du mal avec ça. À vous de nous donner. Voilà, on va changer de formule sur la prochaine fois. On va passer à la deuxième partie de notre débat sur les Sénégalais, bien sûr, les supporters tunisiens qui sont avec nous. Ne vous inquiétez pas, on va parler des aigles de Carthage dans quelques instants également. On commence par le qualifier, on finit par l'éliminer. Malheureusement, c'est toujours un peu comme ça. Comme ça fait un peu durer la peine aussi pour l'équipe éliminée. Voilà, il faut parler du qualifié et expliquer pourquoi il a battu cette équipe-là. Le Sénégal qui va donc, je le disais, 17 ans après retrouver la finale de la CAN. Alors le dernier souvenir est un peu amer hein, parce qu'on se rappelle de cette défaite au tir au but dans cette merveilleuse année 2002 hein, pour le Sénégal. Ou Aliou Cissé, exactement. C'est Diouf qui a raté son penalty. Ouais. Il y a Diouf aussi. Aliou Cissé, il a dit Diouf. Il y a Camara et Fadiga, je crois qu'ils le réussissent. Ouais, c'est ça. Et il y en a quatre, je crois. C'est Cissé qui rate le dernier en tout cas. Il prend sa course d'élan en retrait, l'arbitre siffle, il repart direct. C'est 5-3, je crois, le résultat. 5-3. Et là, Diouf. 4 tireurs.
et à l'UCC, et à l'UCC qui rate. On a lâché des larmes. Ouais, c'était compliqué. Ouais, mais après, quelques mois après, il y a eu un traitement mondial. Hein, donc voilà, donc c'était un beau lot de consolation. En tout cas, c'est vrai que le Sénégal, on le disait avant la compétition avec toi, Najim, on s'en souvient, dans le top 5 des attentes, c'est une équipe. Bien sûr. Pour beaucoup dans l'imaginaire collectif, c'est une équipe qui est ultra présente sur la scène africaine, qui est toujours parmi les favoris de la CAN. Et pourtant, c'est pas vrai. Désolé de le dire à mes amis sénégalais. Mais depuis 2006 où il y a eu cette superbe CAN en Égypte, il y a eu un très gros trou générationnel jusqu'à la CAN 2015, jusqu'à la CAN 2017. Même on peut pousser jusqu'à 2017. Donc sur toute cette période-là, le Sénégal a très peu existé dans les grands moments des événements des compétitions africaines. Je parle surtout en queue, enfin pas que en sélection, hein, oui, parce qu'il y a aussi les compétitions en club. Les voir aujourd'hui finalistes, on se dit que la CAN elle est déjà en grande partie réussie, parce que ils étaient favoris, ils atteignent la finale, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait de finale, ils la font. C'est déjà une CAN assez complète de la part des Sénégalais. Bah, si on regarde par rapport à l'histoire, forcément, c'est vrai que le Sénégal n'a jamais gagné la CAN. Donc, on pourrait dire que c'est déjà un bel exploit d'être arrivé en finale. Mais c'est pas forcément ce que je pense, dans le sens où aujourd'hui, le Sénégal, dès le début de la compétition, était considéré comme un favori. On attendait à ce que le Sénégal aille au bout avec peut-être l'Égypte ou peut-être le Maroc. Mais il faisait partie vraiment de ces trois petites équipes vraiment qui faisaient figure de favoris. Et puis vraiment, on est aussi dans une montée en puissance. Il y a eu cette CAN 2017 qui était déjà plutôt intéressante dans le jeu, mais qui malheureusement s'est arrêtée dès les quarts de finale. Exactement. Il y a eu cette Coupe du Monde également, où le Sénégal est peut-être l'équipe africaine qui était le plus proche de passer en huitième de finale. Rappelez-vous ces histoires c'est de carton, etc. C'est rappelé, effectivement, voilà. Le Japon. Et donc, pour moi, c'est la finalité de ce projet-là, du projet Aliou Cissé. La finalité, c'est cette finale, et cette finale, elle doit être remportée pour que cette CAN soit réussie, pour que le projet d'Aliou Cissé, quelque part, soit réussi, surtout au vu de l'effectif qui est, pour moi, en termes d'individualité, le meilleur en Afrique. Pour illustrer tes propos, c'est très simple, c'est la première fois de son histoire que le Sénégal remporte 4 matchs d'affilée lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, depuis le match contre l'Algérie, c'est 4 victoires pour les Sénégalais, en comptant, bien sûr. Je crois même que c'est la seule équipe de l'histoire de la CAN qui gagne 4 matchs consécutifs. C'est ce que la CAF a mis sur Twitter. Alors l'Algérie, je crois que l'a fait, du coup, au début de la compétition. C'est parce qu'ils ont mis, que c'est la première équipe parce africaine à gagner 4 matchs consécutifs. Ah, en 8e, remporte. Ouais, mais est-ce que c'est. Sans tir au but. Ah, peut-être. Ouais, mais même. L'Algérie n'a pas marqué. Alors, en tout cas, ils sont en train de vérifier. On vérifiera. Voilà, il faut qu'on vérifie. Mais effectivement, voilà, 4 victoires, en tout cas, pour le Sénégal, c'est sa plus longue série. Du coup, Omar, je te pose aussi la question. Est-ce que pour toi, c'est une CAN déjà réussie? J'en pose une deuxième annexe dont parlait un petit peu Najim. Est-ce que c'est la finalité du projet Cissé ou la suite logique? Bah, déjà, dans un premier temps, faut pas oublier que c'est vrai qu'on apparaît souvent en tant que favori dans ces dernières années, mais la vérité c'est que quand on regarde l'histoire du Sénégal dans le foot africain, c'est pas non plus une grande nation africaine du football. Hein. Tu sais, t'as Cameroun, Nigeria, Ghana, Égypte, les grandes nations c'est eux. Donc ça veut dire que nous on a une bonne génération en ce moment. Donc c'est pour ça qu'on a ces ambitions et ces prétentions-là. Après, dire que, genre, si on la gagne, c'est normal, non, c'est pas normal. Pour moi, déjà, arriver en finale, c'est super. La vérité, c'est super. C'est pour moi, l'objectif, c'était au moins d'y aller, parce que c'est vrai que j'ai eu une grosse frustration en 2017 face à ce Cameroun, qui pour moi était bien inférieur que nous, tu vois. Que beaucoup d'équipes, d'ailleurs. Que beaucoup d'équipes, ils ont fini par la gagner. Mais pour moi, cette année, c'est... Voilà, c'était l'ambition que je me suis dit, il faut aller au moins en finale. Maintenant qu'on y est, comme on dit toujours, une finale, ça se gagne. Hein. Maintenant, on y va pour la gagner. Et c'est vrai que par rapport à l'équipe, par rapport au pays, l'étoile, elle nous manque vraiment sur ce maillot. Vraiment. On le mérite, je pense, avec toutes ces bonnes générations qu'on a eues, la génération Diouf, Diga, etc., etc. Aujourd'hui, on a encore une belle génération. Je ne sais pas quand est-ce qu'on en aura une autre, une génération comme ça. Ça peut mettre encore 10 ans, tu vois. Donc, c'est maintenant qu'il faut aller chercher cette étoile. Une victoire dans la CAN, ça... Alors, bien sûr, il y a le respect des anciens quand même, mais... Pour cette génération-là, ça va aussi calmer les autres. Ça va enterrer Hadji Diouf et toute la clique. Hein, surtout que c'est une génération qui aura fait une Coupe du Monde, qui sera allée en finale, comme cette génération de 2002. Et eux, par exemple, ils ont encore la chance de la gagner. Ouais. Et donc là, bien évidemment. En 2002, ils sont en quart de finale de la Coupe du Monde. C'est vrai aussi. Ça reste une participation à la Coupe du Monde. En battant les champions du monde au premier match. C'est vrai. Mais après, je pense que tout le monde préfère au Sénégal que le Sénégal gagne cette Coupe d'Afrique plutôt que le parcours en quart de finale de la Coupe du Monde. Ouais, et puis même pour Sadio Mané, je pense qu'il est toujours comparé à Eladji Diouf. Bon, déjà, il a gagné la Champions League, ce que Diouf n'a jamais gagné. Et c'est vrai que ça me rappelle un peu
Drogba et Yaya Touré, entre guillemets, exactement. Même s'ils ont joué un peu en même temps, mais Drogba qui a jamais gagné la CAN avec la Côte d'Ivoire et Yaya Touré qui l'a eu. Donc ça veut dire que pour même, je pense que pour Sadio Mané personnellement, pour montrer que voilà, c'est le joueur de la nouvelle génération. Ah, dans les très grosses stars africaines, il n'y en a pas énormément qui ont gagné la CAN de ces deux dernières décennies. Hein. Sachant que l'Égypte a aussi beaucoup dominé et que l'Égypte c'était surtout un collectif, on a vu peu de très grands joueurs. Donc c'est vrai regarde, maintenant ils ont leurs stars, ça là, ils n'arrivent pas à gagner. Et ce serait un pas vers le Ballon d'Or pour Sadio Mané. Pour revenir sur le Sénégal, la plupart des personnes gonflent le Sénégal depuis ces années 2002, en passant par cette génération de Mamadou Niang, même qui n'a pas beaucoup gagné, etc. Mais à juste titre, parce que le Sénégal a toujours eu des joueurs qui étaient titulaires dans des grands clubs européens, et ils ont toujours pu faire quelque chose dans leur club. Après, arrivant en sélection, c'était une ambiance différente. À partir de là, tu peux avoir les noms que tu veux, quand l'équipe en place, et par exemple, je me rappelle de la Coupe d'Afrique en 2013, où on est avec le meilleur buteur d'Angleterre, le meilleur buteur de Turquie, le meilleur buteur de Chicago. Papi Sissé, Dembaba, Moussa Sow. C'était 5 attaquants et un gardien. Tu jouais avec 3 attaquants, 3 numéros 9, c'était un peu compliqué. Donc oui, les noms disent quelque chose, mais le système sur le terrain est important. Là, ce qu'a fait Aliou Sissé maintenant depuis 3 ans, c'est qu'il a réussi à mettre un collectif en place. C'est-à-dire que quand ces personnes-là arrivent en sélection, chacun a un rôle bien précis. Depuis la Coupe du Monde 2018, on sait quasiment à tous les matchs quelle sera l'équipe type, quelle sera la tactique et comment va jouer ce Sénégal. Alors dans le jeu, malheureusement, c'est pas terrible, mais en tout cas dans l'esprit du jeu, c'est exactement ce que tous les Sénégalais veulent, c'est-à-dire le pragmatisme, la victoire et aller au bout des compétitions. Là, ils ont la chance d'aller en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, ce qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps, 17 ans je crois. Ouais, 17 ans. 17 ans, aujourd'hui, il faut la gagner. C'est une Coupe d'Afrique réussie, mais tu peux pas réussir une Coupe d'Afrique non plus sans la gagner. Après, alors, pour moi, rajouter quelque chose, il y a une différence, je trouve, quand même, par rapport à 2013, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, on a une équipe du Sénégal qui est quand même sur une bonne dynamique depuis 3 ans, en fait. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve que c'est pour ça qu'ils font partie des favoris et qu'une CAN réussie, pour moi, c'est d'aller chercher cette Coupe. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette dynamique depuis 3 ans. En 2013, non, il n'y avait rien eu avant. En 2015, pareil, il n'y avait rien eu avant. C'était de la construction. Là, aujourd'hui, pour moi, c'est la finalité et c'est pour ça qu'ils doivent aller chercher le trophée. Évidemment, je l'espère pas, je vais pas vous mentir, mais pour leur projet, voilà, ça doit être la finalité. Alors, effectivement, à l'époque, en 2013, c'était beaucoup d'individualité, c'était des noms. Aujourd'hui, on a vraiment une équipe, on a un groupe. Donc c'est vrai que dans la logique, cette année, ça devrait être l'année On sait pas quand ça va revenir, même si cette équipe dans la structure et au global, elle est encore jeune et elle peut faire encore des compétitions ensemble. J'ai envie de dire, elle arrive à son pic en fait. Et tu sais pas quand ce pic va revenir. En Afrique, peut-être que d'autres équipes vont se renforcer. L'Algérie est en finale aujourd'hui. Au début de la compétition, il y en a très peu qui disaient l'Algérie va aller en finale. On se pose la question quand ils sont arrivés en quart si c'était déjà une CAN réussie. Exactement, très belle équipe. Au Sénégal, on pose la question plutôt ce soir parce qu'il y a des ambitions différentes. Très belle équipe, très bon groupe, mais très peu d'expérience. Alors que nous, on a souffert. Maintenant, on a l'expérience et c'est pour ça que c'est le meilleur moment pour aller la chercher. Voilà, comme l'Algérie 2014. C'est ça, c'est exactement ça. C'est un peu ça. Sauf que l'Algérie en 2015, c'était fait éliminer en quart de finale par les Ivoiriens qui étaient allés la chercher pour une année. Juste une question sur la finale justement qui aura lieu, je rappelle, vendredi 21h. Les supporters algériens déjà très nombreux sur le chat, les amis. Ne vous inquiétez pas, dans 25 minutes, on est avec vous pour revenir sur la qualification finale de l'Algérie. Il y aura une deuxième émission, deux émissions ce soir dans le Club des 5 pour le prix d'un. Juste avant, j'aimerais qu'on revoit la question du soir, puisqu'on va se la poser en plateau sur un Sénégal favori pour la finale. Néanmoins, il y a une petite stat, une stat et une information. On va commencer par la stat, c'est que le Sénégal est sur une très très bonne période défensive parce que les hommes d'Aliou Cissé n'ont tout simplement pas encaissé de but lors de leurs 4 derniers matchs à cette CAN. Donc depuis, justement, l'Algérie, c'est la meilleure série pour eux dans la compétition depuis 2002. Justement, les deux petites informations qui vont un peu moins plaire à nos amis supporters des Lions, c'est que le dernier but encaissé dans la compétition, c'est donc face à l'Algérie, Omar. Ouais. Et surtout, il va manquer un homme très important qui est suspendu pour cette finale, c'est Kalidou Koulibaly. Forcément, on a tendance à se dire que le Sénégal est favori pour cette finale, mais quand on prend ces paramètres en compte, on se dit qu'il y a quand même un petit danger, un petit piège. Bah, comme on le dit, on le répète encore une fois, c'est un gros danger, mais on le répète encore une fois, cette équipe du Sénégal a une colonne vertébrale qui est Koulibaly, qui est Idrissa Gueye et qui est Sadio Mané. On l'a vu lors du match contre l'Algérie, il manquait Idrissa Gueye, on l'a ressenti tout de suite.
Donc là, on retrouve encore l'Algérie et il nous manque encore un membre de notre colonne vertébrale. Donc si on perd, j'ai déjà mon excuse. Mais c'est vrai que pour moi, cette équipe du Sénégal, sans ces trois-là, pour moi, c'est une équipe qui est bien affaiblie. Une équipe qui est bien affaiblie parce que c'est quand même les patrons de chaque ligne. Et quand ils sont tous les trois-là, en général, je suis pas très inquiet. Et je pense que une grande équipe, c'est souvent des patrons. Et quand les patrons sont là, ça se ressent sur le terrain, sur le match, sur l'état d'esprit de tout le monde. Moi, pour moi, Kouyaté et Sané, qui a fait qu'un match, j'ai même pas c'est un match complet en fait, depuis le début de la CAN. Non, pas du tout. Il a pas de match. Il a pas une heure, je crois. Voilà, avec un Kouyaté qui est quand même fébrile, faut pas se mentir à ce poste, avec un joueur qui a même pas une heure de compétition qui va être notre charnière centrale. Enfin, c'est une équipe d'Algérie. Où il y a Bounedja qui va faire beaucoup, beaucoup de taf. Personnellement, c'est ma crainte, à l'heure où je te parle. Ouais, bon, oui, c'est vrai que ce sera une des données à prendre en compte. Faudra peut-être que les autres défenseurs assurent aussi un peu le coup. C'est plus que l'absence, par exemple, de Mané ou de Gnabry, c'est que Koulibaly est vraiment le vrai patron défensif de cette équipe. Mmh. C'est-à-dire que il peut se rater. Il y a eu des fois où... Il y a le pénalty ce soir. Il y a une phase contre le Bénin où il se prend un grand pont, où ça donne une occasion pour le Bénin. Aujourd'hui, l'Algérie, il avait un match un peu plus compliqué. Voilà. Et en fait, j'ai l'impression que quand Koulibaly n'est pas au top, l'équipe n'est pas au top. Ouais, c'est clair. Quand il est au top, tout se passe bien. Et là, sans lui, je pense que ça va être un peu difficile. Alors que même quand il n'est pas très bon, il est quand même bon. Il est quand même bon, ouais. Et là, parce qu'aujourd'hui, en vrai, il n'est pas non plus incroyable aujourd'hui. Hein. Non. Il n'est pas non plus incroyable. Il fait le boulot. Il fait le boulot, il arrange les troupes, il est toujours bien positionné. Après, voilà, il y a quelques erreurs de concentration et c'est toujours le point précis au Sénégal, la concentration. C'est ça. On commence souvent les matchs, tranquille, on se fait tourner le ballon, on joue au milieu tranquillement. Et on n'est jamais tueur d'entrée. C'est ça. Et il est là, toujours, le problème du Sénégal. Et c'est ce qui nous manque. Et un guerrier comme Koulibaly, qui va nous manquer pour cette finale. En Coupe d'Afrique, je pense que ça va être un peu compliqué. Il y a des sociaux sur le chat qui nous disent qu'il faut pas forcément trouver des excuses déjà. Non, jamais. Non, on y va pour gagner. Oui, bien sûr. Des sociaux algériens qui nous disent ne trouvez pas d'excuses. Non, on trouve pas d'excuses. Quoi qu'il arrive, gagner jusqu'à preuve du contraire. Mais bien sûr. Tranquille. Qui va trouver une excuse après, pour perdre? Mais non, ça n'existe pas. Ça. Pour moi, après, pour répondre un peu à la question, on est sur du 50-50 un petit peu. Moi, c'est ce que je trouve. Je trouve qu'on est un peu sur du 50-50. On est une équipe d'Algérie qui est sur une très bonne dynamique. En conférence de presse avant match. Après, moi, ce qui m'inquiète un petit peu par rapport au Sénégal, c'est que s'il faudrait motiver des joueurs pour une finale, même si j'en doute un peu, Aliou Cissé, il a ce qu'il faut avec ce match perdu en phase de groupe. Et donc, il peut y avoir ce sentiment de revanche un petit peu que le Sénégal peut avoir. Et dans l'état d'esprit, ça peut compter. Voilà, l'Algérie a gagné ce premier match en phase de groupe. Ils peuvent se dire, ça reste une finale, mais ils peuvent un petit peu les prendre de haut, tandis que le Sénégal va avoir cet esprit de revanche qui, je pense, peut être un élément qui peut, dans l'état d'esprit en tout cas, changer certaines choses. Et il y a un truc qu'on va rappeler, hein, c'est l'absence de Youssef Attal. Ouais. Aussi, bien sûr. Voilà. Qui va être. Qui est face à Sadio Mané. Et pas le Sadio Mané du premier match. Exactement. C'est ça qu'il faut se dire. Et on avait déjà vu Attal un peu en difficulté. Exactement. Hein, sur donc j'ai envie de dire qu'il y a des données aussi qui peuvent rentrer en compte. On a vu notamment la petite blessure de Guédioura. On ne sait pas comment il va revenir. Exactement. L'Algérie, il y a un jour de repos de moins. L'Algérie a joué la prolongation juste avant aussi. Donc l'état de fatigue aussi, on verra. On rappelle que. Enfin, on va pas parler du match de l'Algérie. Mais quand tu dis un jour de repos de moins, c'est par rapport au quart de finale. Bien sûr. Genre un jour de repos de moins. Mais on va rappeler quelque chose, c'est que l'Algérie, même si en poule, ils étaient totalement supérieurs, dans tous les compartiments du jeu, j'ai envie de dire, dans l'agressivité, etc. On espère quand même qu'on aura un arbitre de qualité pour ce match. Parce que là, on est obligé d'en parler. L'arbitrage depuis le début de cette compétition, il est un peu bancal. Parce que même contre le match contre l'Algérie, le pénalty oublié sur Sadio Mané, il est scandaleux. Oui. Je préfère ne pas en parler parce que ça nous a permis d'avoir une partie de tableau assez confortable. Finalement. Donc on va pas s'en plaindre. Mais bon, j'espère quand même qu'on aura un arbitrage de qualité. On a même pas parlé de ces pénaltys. Comment ? Vous pouvez remercier le Bénin. Ou le Maroc. Aussi. Et non, mais on n'a même pas parlé des deux pénaltys d'aujourd'hui. Le Sénégal qui obtient un pénalty en toute somme logique sur une faute sur Issa Sarr. Et la Tunisie qui obtient un pénalty sur une main.
je sais pas si on peut la considérer comme volontaire, involontaire. Si c'est comme Kimpembe, c'est comme. C'est les nouvelles règles et qui aurait pu bénéficier d'un penalty pour égaliser dans cette prolongation. Je suis sénégalais, je vous dis la vérité, si je suis arbitre et que j'applique les nouvelles règles, je la siffle. Parce que quand on voit comment l'Algérie a eu un pénalty, comment le Nigeria a eu un pénalty dans le match d'après, je pense que c'est un peu la même histoire. Mais bon, j'espère un arbitrage correct, que ça se passe bien et puis que le meilleur gagne. De toute façon, on souhaite la plus belle finale possible. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est une certitude. Le Sénégal est donc de retour en finale de la CAN 17 ans après. C'est l'une des deux informations de la soirée. Ils affronteront donc l'Algérie dimanche, juste avant les Socios de parler de la Tunisie. J'aimerais déjà vous rappeler de ne pas vous inquiéter, tous les supporters algériens, dès la présence sur le chat, vous êtes quasiment 1000 avec nous. Les Socios, on parle de l'Algérie dans une quinzaine de minutes, dizaine de minutes. On reviendra sur la qualification des Algériens 29 ans après. On reviendra dans une nouvelle émission. Donc restez bien sur la chaîne YouTube. Dès que cette émission se termine, réactualisée. 5 minutes après, on reviendra avec donc une nouvelle émission, un débrief avec Najim Medini, avec Bilal Achourtani que je vois déjà en train de retourner le studio, et Walid Acherchour qui visiblement n'est pas encore dans les locaux, qui doit être en train de klaxonner pour fêter la victoire des Fennec en arrivant au studio. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne Le Club des 5, c'est très important, vous savez, on est bientôt à 50 000, on va dire, allez, on va être optimiste, donc continuez à nous rejoindre pour qu'on soit le plus possible sur la chaîne. Continuez également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, et également allez sur YouTube. Sur YouTube, vous pouvez regarder des vidéos, des publicités qui... en les regardant, vous faites un don au Club des 5. Voilà, les gains distribués sont reversés au Club des 5. Donc voilà. Et puis n'hésitez pas, c'est très important aussi. Je vois que vous êtes énormément avec nous. Mais il y a très très peu de petits pouces bleus, les amis. Donc on continue de liker, on like. Bien sûr, c'est très important pour le projet. Parlons des Aigles de Carthage, les amis. La Tunisie qui est donc éliminée ce soir de la CAN en demi-finale. Hein. C'est quand même une belle performance, on le rappelle, pour eux, puisque ce n'était plus un peu comme le Sénégal, hein, ça date de 2002, le dernier carré. Et pour la Tunisie, c'était 2004. Hein, donc on était aussi sur une longue période sans disputer de match aussi important dans une CAN. Et c'est vrai que côté tunisien, c'était pas forcément attendu sur le papier. Mais Najim, on se dit à la fin du match que, au vu du scénario, on imagine qu'il rentre ce soir avec un goût amer. Ah, comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que le match il aurait pu basculer d'un autre côté avec le pénalty notamment. Et puis je pense qu'il y a cette frustration dans le sens où l'histoire du match, ce que raconte le match finalement, c'est que le Sénégal marque après sur un but où le gardien fait une grosse erreur en fait. C'est que voilà, c'est sur une erreur en prolongation. Je pense que c'est pas comme ça qu'avaient imaginé les supporters tunisiens. Il y a deux mi-temps, on peut le dire. Il y a la première mi-temps très sénégalaise et la deuxième mi-temps où les deux, trois grosses situations chaudes sont vraiment tunisiennes. Avec beaucoup d'espace. Ouais. Ah, bien sûr. Beaucoup d'espace. Après, voilà, c'était une autre manière de jouer, une autre approche. Comme je le disais tout à l'heure, le Sénégal était beaucoup plus entreprenant et essayait de s'installer dans le camp adverse. La Tunisie, elle, essayait plus de contenir les attaques sénégalaises et d'essayer de partir rapidement vers l'avant, des longs ballons dans la profondeur. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils se sont procurés leurs meilleures occasions, notamment en début de seconde période. Le face-à-face. Au tout début, voilà, des face-à-face. Et donc voilà, c'était une autre approche qui a failli fonctionner. Moi, je les ai trouvés plutôt solides défensivement. Finalement, ils ne concèdent pas énormément d'occasions. Notamment dans leur propre surface, je les ai trouvés plutôt, très courageux, ouais. Effectivement. Quelques difficultés dans les relances. Il y a eu plusieurs relances où le Sénégal aurait pu en profiter. Des pertes de balles très hautes qu'aurait pu coûter des buts aux Tunisiens. Mais finalement... Solide défensivement, quelques occasions offensivement. Il y a ce goût amer avec notamment l'erreur en prolongation, quoi. Ouais, parce que c'est vrai qu'Oumar, on a vu des bonnes performances quand même individuellement. Pas forcément Wahbi Khazri qui était le plus attendu, mais Naïm Slidi, quand il est rentré à la place de Msakni, a fait une très très belle deuxième période. Hein, c'est le Tunisien le plus dangereux. Ferjani Sassi a fait un match extraordinaire, hein, que ce soit défensivement ou dans le travail qu'il a fait au milieu de terrain. Donc il y a eu aussi les ingrédients pour eux d'arriver à aller décrocher leur ticket pour cette finale. Non, moi personnellement, j'étais agréablement surpris de leur prestation, pour être honnête, parce que c'est vrai que depuis le début de la compétition, comme on dit, ils avaient gagné zéro match, à part contre le Madagascar, qui est pour moi le petit poussé de la compétition, en tout cas à ce niveau-là. Donc c'est vrai que je ne m'attendais pas à un match aussi compliqué pour le Sénégal, même si je sais qu'en général, ça reste la Tunisie quand même. Ce n'est pas un grand, mais c'est un bon d'Afrique. C'est un bon d'Afrique qui est là, qui pose toujours des problèmes, qui ont toujours eu leurs individualités, leur genre de ballon. C'est l'Italie d'Afrique, là. Voilà, c'est ça. C'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe qui produit du jeu, qui a un jeu un peu à l'européenne. Donc forcément, qui pose un peu de problème aux équipes qui ont un jeu purement africain.
avec une équipe qui joue beaucoup en possession, beaucoup en contre, beaucoup. Donc je me suis dit que bon, c'est quand même une bonne équipe sur le papier. Après, c'est vrai que j'étais très confiant concernant le Sénégal à la base, et c'est vrai que j'étais agréablement surpris par la prestation de la Tunisie, parce que je me suis dit quand même, ils nous ont quand même donné du fil à retordre, et franchement, il y a même un moment où j'ai eu très peur. Ouais, on peut parler même de meilleur match de leur compétition. Hein, en vrai, ouais. Totalement. Après, j'ai l'impression que il y a eu deux équipes de Tunisie. C'est-à-dire qu'il y a une équipe de Tunisie qui, pendant les poules et le huitième de finale, n'a rien montré. C'était très solide défensivement. Ils ont réussi à se qualifier, notamment contre le Ghana au penalty. C'était très compliqué pour eux. Et ensuite, à partir des quarts de finale, eh ben, il y a eu un changement. Il y a eu un petit déclic. Il y a eu le match contre Madagascar, où il y a eu un changement de système opéré par Alain Giresse, notamment avec l'incorporation de Ferjani Sassi dans le milieu de terrain. Et à partir du moment où Sassi était plus en liberté, qu'il a pu alimenter les attaquants, c'était déjà plus facile. Contre Madagascar, ils ont gagné 3-0. Donc bien évidemment, tu arrives très confiant contre le Sénégal, qui, malgré son expérience, sa solidité défensive, n'y arrive pas offensivement. Et donc tu arrives détendu, tu sais que tu n'es pas favori, et donc tu peux te permettre de jouer au ballon tranquillement. Et en première mi-temps, ils ont essayé, mais c'était très compliqué. En deuxième mi-temps, le Sénégal a eu le contrôle du jeu. Ils ont beaucoup zoné dans le camp de la Tunisie. Et à partir de là, il y a eu pas mal d'actions du côté tunisien où ils ont pu aller vite en transition, notamment avec l'entrée de Sliti, qui a été vraiment incroyable. Tactiquement, techniquement, c'est un régal. Skirik a fait un bon match aussi. Et le petit bémol que je peux apporter, notamment au niveau de cette Tunisie, c'est à partir du moment où Msakni est sorti. À partir du moment où Sakni est sorti, je me suis dit que ça allait être compliqué pour eux, même si... Comme on l'a dit, Sliti a fait le boulot quand même. Il a fait le boulot, il avait rien à dire, il a eu ses occasions, il a porté le ballon vers le haut. Malgré ça, on le dit sur le chat, Sliti a été énorme. Ah, mais clairement, c'est l'homme du match côté tunisien. Contrairement à Kazri qui est passé à côté. Sur le chat, les sources nous disent d'ailleurs que c'est ce qui a manqué pour eux à la Tunisie, c'est qu'un c'est un grand Kazri. Mais en fait, c'est souvent le même problème pour la Tunisie. C'est-à-dire que, ou même dans toutes les équipes où Kazri joue, à un moment donné, à chaque fois qu'on a besoin de lui, eh ben, il n'est pas forcément disponible. Soit il est trop nerveux, soit quand il commence à rater des passes, il commence à s'énerver, etc. Et c'est pas le Kazri que ces équipes ont besoin. Il y a pas mal d'insiders sur place ce soir. La CAN d'ailleurs qui raconte qu'il y aurait eu une bagarre entre Wabi Kazri et le coach du Sénégal, Aliou Cissé. Enfin, même que pour être tout à fait précis, ce serait pas une bagarre, ce serait une agression. Mais voilà, oui, règlement de compte entre. Enfin, Kazri serait allé régler son compte à Aliou Cissé. C'est un peu la mauvaise image que Kazri donne, tu vois. Que ce soit sur le terrain. C'est parti des rares limites de sa carrière. C'est ça. Et le problème, c'est qu'il est talentueux. Il est talentueux sur le terrain, on a toujours besoin de lui. Et malheureusement, quand il pète un câble, c'est un peu compliqué pour l'équipe. Après, moi, regardez cette stat quand même, Najim. Bah oui. 30 ballons perdus. C'est énorme. Sur deux ce soir perdu par Kazri. Sans compter aussi le nombre de ballons, on peut en parler, mal joués, parce qu'il y a eu on parlait de Sassi qui a eu 2-3 belles occasions, mais souvent sur des actions qui à la base étaient mal construites par Kazri. C'est presque ça qui était le plus dérangeant côté. Ouais, bien sûr, on a clairement vu qu'il a eu beaucoup de mal techniquement. Et puis en plus, je trouve que tout à l'heure, on parlait notamment du jeu européen que peut avoir cette équipe tunisienne. Je trouve que ça leur a un peu manqué aujourd'hui, en tout cas. Notamment en seconde période, ils ont essayé vraiment de jouer sur les transitions rapides et ils ont mis de côté un petit peu ce jeu léché. C'est les Italiens d'Afrique, mais là, ils ont des gardiens anglais aussi. Je pense qu'ils n'ont pas eu trop le choix, en fait. C'est le bémol que je leur donnerais, c'est qu'en deuxième période, par moment, ils auraient dû peut-être essayer de contrôler un peu plus ce jeu. Alors est-ce qu'ils en avaient la possibilité? Voilà. Je trouve qu'ils ont pas mal balancé. Et on sait que Kazri, c'est pas forcément le joueur à qui on va donner des ballons en profondeur. Mais on va pas s'en servir de cette manière, en tout cas. C'est pas pour essayer de protéger Kazri. Parce que lorsqu'il a eu le ballon dans les pieds, je l'ai pas trouvé bon non plus. Mais je trouve que peut-être qu'un peu plus de variation dans le jeu de la Tunisie, ça leur aurait fait du bien peut-être. Parce que je trouve qu'en deuxième période, c'était beaucoup de ballons balancés devant. Ça a donné des occasions intéressantes, mais avec un peu plus de variation, peut-être qu'ils auraient pu poser un peu plus de soucis au Sénégal. Ouais, mais comme tu as dit, je suis assez d'accord avec toi pour une partie, mais les meilleures occasions que la Tunisie a eues, c'est sur les longs ballons. Oui, bien sûr. Tu vois, à un moment, Koulibaly est pris dans le dos, il est en galère, ça fait face à face. De l'autre côté, un centre de Skiri, je crois, pour Sliti, où il frappe en l'air alors qu'il est tout seul. À chaque fois, ça a toujours été des situations où les Tunisiens sont allés vite, et ça n'a jamais été une construction où les Sénégalais sont sortis de leur zone pour aller chercher une occasion. Clairement, ça a été une vision pragmatique qui a plutôt fonctionné. Après, notamment sur la fin de la seconde période, là, vraiment, le Sénégal avait vraiment pris le jeu en main. Je trouve que ça aurait peut-être fait du bien d'essayer de poser un peu plus le jeu, faire sortir un peu la défense adverse, et essayer de jouer, comme on a l'habitude avec la Tunisie, des combinaisons, et essayer d'avancer ligne par ligne, en quelque sorte.
En tout cas, les Tunisiens qui peuvent, j'allais dire, qui peuvent remercier, non, au contraire, qui doivent avoir un petit goût amer ce soir après la prestation de leur gardien, pas seulement sur ce match-là, mais sur toute la compétition. Les gardiens. Les gardiens, effectivement, ouais. Parce qu'il y a eu Ben Mustapha, il y a eu Ben Mustapha aussi qui a fait une grosse cagade au premier match contre l'Angola. Et voilà, effectivement, vous voyez, les 4 buts encaissés par la Tunisie dans cette CAN sont dus à des erreurs de gardien. Celle de cet après-midi, elle est encore plus grotesque que le dernier but encaissé contre le Ghana par les Tunisiens. C'est vrai que Moïse Hassan, c'est un peu l'agent double aujourd'hui, quoi, parce que il arrête le penalty d'Henri Cévé, Oumar, alors qu'Henri Cévé, justement, c'est sa qualité première, avec une pierre arrêtée. C'est lui qui le tire, parce que justement, on se dit, il va rentrer, et puis Moïse Hassan le sort magnifiquement bien, et puis un quart d'heure plus tard, en prolongation, sa sortie, elle est incroyable. Contrairement au penalty tunisien qui est pour moi est très mal tiré. Ouais. Celui d'Henri Cévé n'est pas excellent, bien tiré, sinon il serait dedans. Mais en tout cas, il est beaucoup mieux tiré que celui du joueur tunisien et il va la chercher quand même. Ouais. Donc c'est vrai c'est ça qui est un peu paradoxal avec son match aujourd'hui, c'est qu'il te sort là, il sort un penalty et après derrière il se manque, mais il se trouve comme pas possible. Et aujourd'hui, c'est lui qui élimine son équipe, clairement. Ouais. C'est paradoxal. El Maghrébin nous dit sur le chat, c'est depuis que pour lui, ça fait longtemps que la Tunisie a ses problèmes de gardien, surtout avec Moïse Hassan. Moi, je trouve qu'il a peut-être sorti l'un de ses meilleurs matchs dans le contenu. C'est vrai qu'il a fait des trucs, voilà, des belles sorties aériennes. Exactement, je trouvais qu'il a fait des bonnes sorties aériennes. Il fait un moment une claquette, j'ai trouvé plutôt rassurant. Oh, la claquette, celle qui est censée mettre derrière. Oui, voilà. Elle est horrible. Ah, mais celle-là, il aurait pu. Je sais pas si on parle de la même, je parle d'une frappe en première période. Un centre un peu, il arrive à la claquer au-dessus de la barre transversale. Ouais, il a failli se la remettre. Il a failli se la remettre dedans, justement. Ouais, mais tape la barre et après, j'ai oublié. C'est lui. Non, c'était pas celle-là, je pense une claquette qu'il a réussi à faire passer au-dessus de la barre et qu'il a un petit peu rassuré son équipe. Et donc. À un moment, il a pas trop rassuré. Ouais, effectivement, non, c'est pas de celle-ci que je parle. Mais en tout cas, dans l'ensemble du match, je l'ai trouvé plutôt rassurant. J'ai trouvé qu'il avait fait plutôt des bons arrêts. En plus, l'histoire était plutôt belle parce que l'entraîneur. Giresse l'avait sorti pour la séance des tirs au but lors du précédent match. Là, cette fois-ci, il avait un penalty. Il pouvait quelque part montrer que lui aussi pouvait être bon sur penalty. Finalement, il sort ce penalty. Et malheureusement, dans les prolongations, il fait cette erreur qui coûte la qualification à son équipe. Donc, c'est un match très paradoxal. Et c'est dommage parce qu'il aurait pu être le héros dans le bon sens du terme. Et finalement, il est un peu le déchu, quoi, quelque part. C'est celui qui a coûté la qualification à son équipe. Ouais, la qualification est presque la canne, hein, parce qu'on l'a dit, les erreurs ont été assez répétitives. Ce qui est incroyable pour les gardiens tunisiens, c'est que malgré qu'ils aient deux gardiens qui ne soient pas bons, ils sont quand même arrivés en demi-finale de la Coupe d'Afrique. C'est ça. Oui, parce qu'ils ont eu aussi un peu de chance, on va dire, parce qu'ils passent avec 3 points. Ils terminent 3 points, 3 matchs nuls. C'était ça, ils terminent deuxième de leur poule, donc déjà c'était pas mal. Et derrière la Tunisie qui a donc battu Madagascar après avoir éliminé le Ghana en 8e. Ils s'arrêtent là, donc les Tunisiens. Forcément, on va se poser un petit peu la question du bilan de leur CAN tunisienne, parce que comme vous l'avez dit, il y a une victoire finalement pour arriver en demi-finale. Il y a une élimination dans peut-être leur plus belle partition de la compétition. Oui. Il y a un Alain Giresse qui est beaucoup critiqué sur le continent africain, mais qui visiblement, et on l'a vu aujourd'hui par ses choix, a fini par trouver plus ou moins l'équipe qui lui allait le mieux. On n'est pas finalement tant inquiet que ça comme on l'était au début de la compétition. On s'était dit que voilà, quand la CAN va se terminer, le chantier va continuer, puisqu'on rappelle que depuis la fin du mondial, hein, c'est un beau bordel. Là, pour le coup, il y a peut-être une éclaircie encore une fois. Et on a vu des leaders présents aussi. Bah, concrètement, la CAN de la Tunisie est réussie. Personne au début de la compétition disait que la Tunisie allait arriver en demi-finale. Et encore même en quart de finale, je trouvais que c'était déjà une performance. Donc, ils sont arrivés en demi-finale. Giresse a bien évidemment toujours un peu de problème avec les fédérations. Bon, beaucoup plus avec le Sénégal, quand il était au Sénégal, qu'avec la Tunisie. Mais là, je pense qu'il va être conforté. J'ai l'impression que les joueurs adhèrent à son discours. Tout le monde se bat pour l'autre. Ça a été un modèle de réussite défensive. Parce que concrètement, la Tunisie a toujours fait front face aux équipes qu'elle a rencontrées. Donc là, voilà, ils sont arrivés en demi-finale de Coupe d'Afrique. Il y a un autre aussi qui va arriver, mais il faut qu'ils repartent avec les mêmes joueurs pour essayer d'aller plus loin. Ouais, dans le résultat, c'est clairement réussi. Une demi-finale, comme il l'a dit, on n'aurait jamais... Meilleur résultat depuis 2004. On n'aurait jamais cru que la Tunisie allait pouvoir atteindre le dernier carré final. Dans le contenu, je reste quand même un peu sur ma fin. La phase de groupe était quand même pas très réussie. Seulement 3 points, même en phase finale. Ils ne nous ont pas sorti vraiment un gros match
où on s'est dit, on s'est dit, ah tiens, vraiment, la Tunisie, elle a vraiment du ballon, elle peut faire quelque chose dans cette CAN. Donc finalement, dans le contenu, je reste un peu sur ma faim. Mais finalement, quand on regarde aussi les individualités qui composent cette équipe de Tunisie, je trouve qu'il y a quand même, c'est un petit peu inférieur, au Sénégal, au Nigeria, à l'Algérie. Je trouve que ça reste quand même un ton en dessous. Et donc finalement, il y a aussi ce creux un peu générationnel en termes d'individualité qui est un frein malgré eux, quoi. Ouais, c'est ça. Après, le truc, c'est que, on parle beaucoup de la finale, mais il y a quand même ce petit match de la troisième place. S'ils finissent troisième et ils battent le Nigeria, pour moi, troisième de cette compétition pour un pays qu'on ne voyait pas du tout à ce niveau-là, pour moi, c'est une catastrophe. C'est impossible que si demain, c'est, je sais pas, Algérie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Tunisie, c'est super. Hein. Ouais, franchement, pour eux, on les voyait nulle part. Ils ont gagné un seul match. Hein, faut savoir. Ils ont gagné qu'un seul match. Hein, exactement. Et contre, effectivement, comme tu disais, même si on a vu que les Barrières nous ont enchantés dans cette CAN, contre le petit poussé. Le petit poussé de la compétition. Des écarts de finale. Après, ils éliminent quand même le Ghana. Hein. C'est pas facile. Hein. Le Ghana, c'est plus le Ghana qu'on connaît. Bien sûr, ils éliminent un Ghana en fin de génération. Mais voilà, il fallait aller chercher quand même. On a vu que c'était assez compliqué. En tout cas, voilà, les Tunisiens qui terminent cette CAN, on va dire, avec les honneurs. Allez, on va leur mettre les encouragements, il y a un projet qui... On peut même leur mettre les compliments. Ouais, clairement, bien sûr. Vu du résultat. Comme dans certaines sélections africaines depuis quelques mois, on sent qu'il y a une possibilité de voir un projet se créer. Oui, donc, exactement. Alors, j'irais, c'est peut-être pas l'homme de la situation à la base. Ce sera peut-être pas lui non plus. Ouais, mais en tout cas, il est en train peut-être de tailler un petit socle dans toutes les sélections africaines, c'est ce manque de stabilité. Là, tu sais que tu peux construire quelque chose avec un Giroud qui connaît bien le continent, qui a eu l'habitude de coacher ses sélections africaines et qui peut rester dans un long cycle. À partir du moment où tu sais que tu as la possibilité d'avoir un coach qui connaît exactement les rudiments des sélections et des fédérations, je pense que tu peux te permettre de le garder et de voir ce qui peut se passer, notamment pour la prochaine Coupe du Monde ou encore déjà pour la prochaine Coupe d'Afrique. On va s'arrêter là, les amis, pour le débrief du Sénégal, puisqu'on est déjà à la fin de notre émission. Je le rappelle, donc le Sénégal s'est imposé ce soir 1-0 en prolongation face à la Tunisie, une victoire qui permet donc aux Lions de retrouver 17 ans après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera vendredi prochain et on connaît l'adversaire des Sénégalais puisque l'Algérie s'est imposée ce soir 2-1 contre le Nigeria. Ce sera donc une finale Sénégal-Algérie. Ça va être bouillant au Caire où Babacar sera. Ça va être bouillant également en France où on sera. Ça va être bouillant également à Dakar, à Alger, dans tout le Sénégal, dans toute l'Algérie. Ça va être une belle finale. On s'en doute. Il y a aucun souci sur ça. Les sociaux, justement, l'Algérie, on va en parler dans quelques minutes. Alors, dans une dizaine de minutes, parce que vous le savez, il nous faut le temps. On est au club des cinq, hein, donc il nous faut le temps de dire au revoir aux chroniqueurs. Là, c'est important, mais surtout que les machines se remettent en place, qu'on puisse relancer un live, que YouTube relance le live, le flux, tout ça, etc. Bref, je vous fais pas tout le. J'aurai le temps de revoir le coup franc de Marez. T'auras le temps d'aller aux toilettes parce que je sais que tu aimes beaucoup aller aux toilettes avant les émissions. On dévoile les coulisses du club des cinq. C'est au temps, ne t'inquiète pas. Je vois déjà Bilal Chantani qui est prêt à grimper au rideau de la régie. Ça annonce une belle émission. Les supporters des Fenech, donc restez bien avec nous, les supporters sénégalais, tunisiens. Également, il y a beaucoup de Tunisiens sur le chat qui demandent à l'Algérie de venger la Tunisie à cause de l'arbitrage d'aujourd'hui. Enfin bon, voilà, chacun va y trouver midi à sa porte. L'Algérie, donc on en parle dans une dizaine de minutes, je vous dis, sur la chaîne du Club des Saints avec les sociaux. En attendant d'ailleurs, tiens, si ceux qui nous disent 10 minutes, ça peut être long, il y a plein de choses à faire en 10 minutes, je vous conseille d'aller vous revoir les petits insides des huitièmes de finale, effectivement, pour voir comment on vit les matchs dans la rédac. Vous pouvez revoir la tête de Samy, lors de Maroc-Bénin, qui est magnifique, c'est exceptionnel. Et les insides, justement, vous allez en avoir deux, qui arrivent là demain. Un avec Oumar Babacar et Walid sur le Sénégal, un avec Najim Farez et Babacar encore en trublion. Donc ça va être du lourd. Les socios, avant de quitter ce live, parce qu'on va en démarrer un deuxième pour l'Algérie, c'est très important, vous le savez, pour le référencement, pour continuer à nous donner de la force, à nous faire grandir le projet. Mettez des likes, les socios, mettez des likes, c'est très important. Voilà, 234 likes, alors que, je sais pas, on a fait combien, Antoine Le Breton, de personnes ce soir dans le club des 5, pour qui que, et on dit qu'il y a plus de 10 000 personnes, il y a que 230 likes, c'est pas logique. Ils sont feignants, les mecs. Ils sont feignants. Appuyez sur un bouton, c'est rien. Appuyez sur un bouton. Appuyez là. Ou alors ça veut dire qu'on fait vraiment de la merde. Mais je ne le pense pas non plus. Enfin, je ne l'espère pas
En tout cas, les choses sont là. Un maximum de likes. Restez bien avec nous pour pas besoin d'insulter pour les likes, hein, les socios. Hein, on peut le demander gentiment. Restez bien avec nous donc pour l'émission de l'Algérie. Juste avant, j'aimerais remercier les personnes qui ont travaillé sur cette émission. Bien sûr, Antoine Le Breton, Farez HM, Maringueo, Inès Koudouri, Arthur Veil, Marius Kassoli, Yanis Ben Messaoud, Marwan Sahir. Il y a eu du monde ce soir avec nous également. Et Ménard Chan, bien sûr, pour la réalisation de tous les Inside. Et également Vincent Fournier à la Real qui va rester encore une bonne heure lui pour le débrief de l'Algérie. Je sais que ça l'enchante. Les socios, donc je vous rappelle, il y a le match de l'Algérie qui arrive dans quelques instants. Je vous rappelle la question du soir pour que vous répondiez également là. Le replay est disponible dans une petite seconde. Donc vous allez pouvoir donner votre réponse en commentaire histoire que tous les chroniqueurs puissent continuer le débat avec vous même après la fin de l'émission. Justement, jusqu'à vendredi, donnez-nous votre avis. Le Sénégal est-il le favori de la finale de la CAN? À vous de nous dire. Najim, tu restes avec moi. Ouais, moi on se retrouve pas dans 5 minutes. Babacar, un très très grand merci à toi. Je te souhaite un très très bon voyage en Égypte. Merci. De bien profiter. Et puis, Jibou la coupe à la maison, comme diraient tes adversaires de cette semaine. Oumar, un grand merci à toi également. Écoutez, d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité encore une fois. Manager de Dinos, de Dossé, de La Crime, que vous retrouvez avec le label Spectaculaire. Exactement. Petit album qui est sorti là. Dossé vendredi là. Exactement. Mixtape, ça marquera 4. En plus, il n'y a pas beaucoup de sons, donc c'est sympa pour l'été. Il n'y en a que 10. Ça défile vite. C'est tranquille. Et ça met en repeat au cas. Exactement, c'est une bonne playlist. Oumar, donc toi aussi, de ce que j'ai entendu, t'as un petit voyage, donc on te souhaite bon voyage aussi. Hein, c'est ça. Et tu reviens, je crois, vendredi pour la finale. Pile. Tu seras paré. Bon, un grand merci à toi d'avoir été avec nous une fois de plus. Un très grand merci à tous les socios qui nous ont suivis, à tous ceux qui ne pourront pas être là pour la deuxième émission. Passez une très très bonne soirée. Les autres, je vous dis à tout de suite sur la chaîne de Club des 5. Ciao.